C'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en live pour une nouvelle vidéo du DLC qui est sorti aujourd'hui, donc Haute Finance, et qui est sorti aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, je pense, en plusieurs étapes, plusieurs véhicules, plusieurs choses sur le DLC. Si je loupe un peu de nouvelles choses, bah vous me le dites. Donc on va aller voir dans les... Tiens, c'est nouveau ça. Alors c'est ma gueule. Ah, c'est plus aussi. Le cité de quoi? Ah, oh, c'est nouveau ça. Ah, c'est vraiment stylé. Regardez la forme de la map. C'est vraiment réel, c'est mieux. Donc, c'est d'autres pour les. Ah, c'est pour les bureaux. D'accord, c'est pour acheter des bureaux. Donc, on regarde un peu. Je vais pas acheter. C'est un peu trop cher quand même. Donc, d'accord, c'est pour acheter. Merde, les bureaux. Donc, je voulais voir les autres. On va regarder les quêtes. On peut acheter cette tour. Le bâtiment le plus emblématique. Je sais pas si c'est compris les tours complètes ou pas qu'on achète. Donc ouais, c'est vraiment assez cher, donc il faut gagner un peu de thunes. Donc voilà les bâtiments. On va aller voir s'il y a des nouveaux voyages transport. Là, ah, ça a changé. Ici, il y a un nouveau truc. Je sais pas, non, ouais, ça doit être un nouveau. Ah oui, ça a changé. Donc, disponible dans la haute finance et basse boutique. D'accord, ça a changé aussi maintenant. Ok, c'est assez cool. On va regarder un peu. Donc voilà, c'est pour changer les couleurs. Ça n'a pas changé, voilà. C'est un véhicule vraiment assez cool. Il est pas cher celui-là. Bah, je pense que je vais me l'acheter celui-là, mais je crois que j'ai plus de place dans mon garage. On va aller voir ça. Je vais me l'acheter en noir, pourquoi pas. On va mettre là-dedans. Ah, j'ai plus de place. On va aller faire un petit tri après dans le garage, vous inquiétez pas. Donc ça a changé. Hop, on va faire retour en arrière. Là, ici, il n'y a pas d'autres véhicules, il n'y a que celui-là. Non, en plus, c'est un 4 places. Ok, on va aller voir un peu partout. On va regarder, on sait jamais s'il n'y a pas. Non, Bunnies, je pense pas. Dans les avions. Oui, il y a un nouveau hélicoptère qui est juste ici, qui est super cher, qui est en 4 places. Il y a aussi un nouveau avion, 8 places. C'est vraiment assez cher. Hop, on va aller voir ici, c'est quoi ici? C'est les véhicules. Ah, ça a changé aussi le design. Ah ouais, ils sont belles les voitures, mais un peu chères. Ouais. Donc ici, vous avez une Pegasus Rapper. Donc, vraiment assez stylé. On va regarder un peu le design. Je pense que je vais vous présenter d'un côté les véhicules et d'un côté les armes et les vêtements pour éviter que ce soit une vidéo trop longue aussi, les amis. Voilà. Celle-là, elle est jolie quand même comme véhicule. Elle est assez belle. Ah, on peut avoir... D'accord, on peut avoir maintenant la vitesse... oui, les compétences, on va dire, du véhicule. On peut voir tout ensemble maintenant, c'est mieux. On peut voir si elle est rapide ou pas. On va aller voir la rouge, on n'a pas été voir. Voilà, on peut avoir vitesse, accélération, freinage, traction. Donc c'est vraiment assez cool. Donc hop, il y a celle-là aussi qui est vraiment... oui, c'est ça du VLC. Donc voilà, ici c'est à fond aussi, à fond, sauf le freinage. Mais après, je pense qu'on a custom, ça va aller encore plus vite. Ça fait partie aussi du nouveau véhicule, du nouveau DLC. Ah, du coup, on peut blinder ou pas blinder. C'est bien du nouveau DLC, ça, que je regarde. Au final, oui, c'est ça. Parce que ça peut ressembler. Donc, d'accord, on peut le blinder ou pas. Ça ressemble un peu le véhicule qu'on a déjà eu sur un autre DLC, je sais plus où il est. Un peu comme cela. Ça ressemble un peu cela. Bref, et celle-là, la nouvelle aussi qu'on a reçue. Je crois, si je me trompe pas, attendez, je regarde avant. Pas de faire des teases. Voilà. Donc là, il y a plus de couleurs. Ah, en plus, elle est décapotable en même temps. Donc ça, c'est fun. Donc freinage, j'ai pas beaucoup non plus. Ok, on va aller regarder un peu partout dans les véhicules de l'armée. Ah, stylé le camion. Ah, on a des nouveaux véhicules. Celui-là, il est vraiment assez stylé. Ah, ça doit être vraiment stylé à le conduire. Vous imaginez, je sais pas combien on peut rentrer dedans. 8, 6 personnes. Vous imaginez, à 6 dedans, on peut faire, je sais pas, une vidéo transfert de prisonniers. Ou ça peut être assez drôle, à mon avis, avec ça, ce véhicule-là. Il est assez fun, donc on a eu les hélicoptères, ceux-là, bon, qui sont connus un peu, les cargo bombs. Ça, c'est cargo bomb, mais un peu. C'est différent. Ok, bien. Mais attendez, je regarde un peu. Ok, tac. On va aller voir ici dans les vélos, on sait jamais. Bon, les vélos, ça change pas. Et on a été voir ici, je crois que c'est ça, on a été voir ce véhicule-là. Ah! Moi, je vous ai présenté les véhicules et les nouvelles tours, des tours appartements. Je sais pas par contre si on peut toujours avoir les appartements ici.
Oui, appartement ici. Regarde, c'est pas une nouvelle chose. Oui, je pense. Choisir l'intérieur. Ah, on peut choisir l'intérieur. J'ai jamais fait gaffe. Nouveauté. On va aller dans les nouveaux là-haut. Je dis nouveauté, mais c'est nouveau. Donc, ça doit être les trois appartements. Choisir l'intérieur, choisir appartement sur profil outil. J'ai jamais fait gaffe si on pouvait choisir l'intérieur du bâtiment. Bref, j'ai jamais fait gaffe. Je vais pas l'acheter, mais je vais voir si on peut choisir l'intérieur. D'accord, on peut choisir. Dites-moi. Ouais, je pense qu'on pouvait choisir. J'ai jamais fait gaffe. Bon, vous allez me dire, en même temps, j'achète pas de maison là-dessus sur GTA. Je sais pas. Bref, je vais pas dire de bêtises. J'ai tenté découvrir une nouvelle game au bureau. Ah voilà, j'ai rien dit. Donc, du coup, voilà, je vous ai présenté les tours, les véhicules. Et du coup, moi, je vais vous présenter la suite. Donc, les armes. Et on va aller voir les armes et les vêtements. Donc, je sais pas si on a des nouvelles armes ou pas. Donc, à tout de suite.